fautes. Même s'il fait des fautes sur Twitter, il aurait pu s'offrir des Harvard Business School ou des Princeton ou des Yale pour ne pas faire de fautes. Yeah. Il fait des codes. Il n'est pas con, il n'est pas fou. Il dit ce qu'il pense. Et c'est parce que nos leaders, ben, ils le connaissent des tards, qu'ils l'évoquent. Vous êtes des corrompus, vous êtes des voleurs, et vous venez garder l'argent chez moi. Je vous connais. Donc, je vous qualifie de pays de. Alors, vous, la jeunesse africaine, c'est vrai, vous êtes rempli de haine, de colère, et c'est justifié. C'était le thème de la conférence. C'est normal que vous vous réveillez et vous disiez, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on a pu accepter ça? Comment est-ce que nos grands-parents ont pu accepter ça? Parce que vous, vous avez grandi chez eux, vous avez été à l'école à côté d'eux, ils n'ont pas été meilleurs que vous. Donc vous n'avez aucun complexe vis-à-vis d'eux. Donc vous ne comprenez pas d'où vient le fait qu'on soit dominé et qu'on soit sous-développé, etc. Et vous avez envie de corriger ça tout de suite. Et c'est là l'intérêt de faire de la politique. C'est là l'intérêt que les meilleurs d'entre nous, en compétence et en vertu, s'investissent dans la politique. Mais malheureusement, ça ne se passe pas. Ceux qui ont plus ou moins un background académique de grande qualité ou un background professionnel de grande qualité sont dans le confort de leur salon, critiquent, commentent, ou bien font des commentaires dans les réseaux sociaux, mais ils ne s'impliquent pas, ils ne mouillent pas le maillot, ils ne vont pas voir leurs parents paysans, puisque ça, ça demande des efforts. C'est pas facile. Vous-même, pour essayer de faire une association entre les Sénégalais là, organiser des élections normales, pour faire respecter des règles de droit, vous voyez ce que ça fait? Imaginez à l'échelle d'un peuple ce que ça fait. Voilà. Quand on atteindra une masse critique de citoyens qui en soient vraiment, comme aux États-Unis là, ça changera. Par c'est que je dis aux gens, il ne faut pas être pressé, il faut y aller simplement. Combien de temps ça va prendre pour que les Sénégalais se réveillent, pour qu'eux-mêmes comprennent que leur pays ne changera